Roland d'Orgelès, dans Bouquet de Bohème, a réparé les injustices du destin, et les malchanceux, tout comme les Vénards, revivent dans son recueil de souvenirs. Voici Roland d'Orgelès. Tout à l'heure, en traversant la petite terrasse du Lapin Agile, que caressait un tendre soleil annonciateur du printemps, je me sentais ému. Un sourire aux lèvres, sans doute, mais un crêpe au cœur. Je pensais aux camarades qui, il y a 40 ans, venaient boire avec moi sous les maigres acacias de la terrasse, ou chanter dans la salle, sous les bras protecteurs du grand Christ de Vasselet, le Montmartrois Vasselet tué en 1915, sous l'uniforme de fantassin. Ils se comptent aujourd'hui, et de moins en moins nombreux, les survivants de cette époque. Les meilleurs de nos camarades ont disparu, les uns à l'hôpital, les autres dans les charniers du front. Et si l'on gravait sur une dalle les noms de ceux qui ne sont plus ici, elle ne tiendrait pas sur la petite terrasse du Lapin Agile. Dès que nous remettons les pieds dans ce cher vieux cabaret au mur noirci par la fumée de nos pipes, d'innombrables souvenirs nous reviennent à l'esprit, et dans les coins d'ombre, nous croyons apercevoir les visages de disparus qui continuent de nous sourire. Cela me rappelle une anecdote. En ce temps-là, le Lapin, entre clients curieux, recevait un singulier garçon qui se croyait un génie de comédien. Il n'était pourtant guère doué, n'avait pas une très bonne voix et avait un visage troué par la variole. Non seulement il se croyait un grand comédien en herbe, mais il se croyait aussi un grand séducteur. Et pour vaincre les belles à qui son visage ne disait pas grand-chose, il les couvrait de fleurs. Mais de fleurs qu'il allait voler dans le cimetière Saint-Vincent. Il était tombé un jour sur une fille, plus avertie que les autres, qui s'étonna de ne recevoir comme fleurs que des chrysanthèmes, des dahlias, bref, les fleurs avec lesquelles on fait ordinairement des couronnes. Et un jour, elle lui dit, bon, enfin, c'est drôle, quoi, il n'y a pas de roses, il n'y a jamais de belles roses chez ton fleuriste. Il dit, oh, j'arrangerai ça. En effet, le jour même, Montmartre avait été mis en émoi par l'enterrement qu'on voit luxueux d'un financier important qui venait de décéder dans les environs et qu'on avait mené au cimetière, précédé d'un char de couronne comme on n'en voyait jamais sur la butte. Alors, le soir, un samedi, quand la jolie fille vint nous rejoindre au Lapin Agile, elle trouva sa table couverte, littéralement couverte, comme un tombeau, par des dahlias, des roses même, et des arômes, toutes les fleurs qu'on peut imaginer. Ça ressemblait véritablement à une tombe. Elle en restait toute saisie. Et ceci n'est rien. Le garçon, pour tout arranger, s'était fait une cravate avec le grand ruban de soie d'une des couronnes, et l'on pouvait lire sur sa cravate « Regrets éternels ». La petite en resta stupéfiée, l'insulta, quitta le Lapin en abandonnant et les fleurs et la cravate, et nous ne l'avons jamais revu.